Moi je veux une femme bien fertile, une qui me donne des enfants par mille. Je suis trop tout seul, il faut que je donne à mon son John, non mais tu déconnes. Ça a démarré hier et hier soir, après 3 jours de pluie sur le montage. Le grand soleil est arrivé depuis hier. On passe 2 jours plein de soleil. Les chapiteaux sont noirs de monde. On se demande même si on n'est pas un petit peu, on va pas être un petit peu victime du succès qu'on a ici. Les gens sont ravis. Les spectacles se passent super bien. On va pas demander grand chose de plus. Tout va bien. Samedi 4h de l'après-midi, alors le prochain spectacle c'est le projet Bistaki, c'est 5 jongleurs danseurs qui travaillent, c'est un travail chorégraphique sur 1 heure. Ensuite on a Yeto, c'est 2 acrobates au sol sur 20 minutes, une demi-heure. Et donc juste après il y a les CAG, c'est 2 chanteuses, c'est un spectacle musical, elles sont complètement barjots. Si ça se passe bien, en général les gens sont debout en l'air à la fin du spectacle. Et puis on finit avec Mazalda dans le cours de la soirée. Là pour le moment sur le site on est presque à 450-500 personnes. Bah, tout le monde, ça roule, côté public comme côté artiste, il n'y a que des bons échos de partout. Là. Tout le monde est content d'être venu ou de venir, ou d'être là en tout cas. Bah, ça donne qu'il va falloir trouver une parade, à avoir peut-être un troisième chapiteau pour pouvoir accueillir encore plus de monde ou peut-être... on verra sûrement une petite formule à réagencer, à réinventer. Mais on réinventera des choses tous les ans de toute façon. Là on a vraiment tout le monde, on a vraiment des anciens, on a vraiment des tout petits, on a vraiment une belle panel de la population à 30-40 km à la ronde là. Dès que vous voyez entrée de secours, c'est qu'il se passe quelque chose de simple, on parie sur le côté humain, sur la convivialité, et puis pour le moment ça marche très très bien. Ouais.